Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir monsieur, il n'est pas encore là, rassurez-vous. Simplement pour vous signaler que c'est une vidéo qui a été faite sur la grande place de Bruxelles où nous sommes allés faire le partout. Un grand honneur pour nous, c'est pour nous une consécration parce que faire du show sur la grande place de Bruxelles, eh bien, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont eu l'occasion de le faire. C'est souvent des sociétés étrangères. D'ailleurs ici, vous allez voir, ils nous prennent pour des Français et marqués France. À tout de suite. Thank you.
Voilà, bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux pour ce concert présenté dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour faire court, en fait, la fête de Wallonie, comme on disait avant, c'est aussi... Je vais me faire péter parce que je suis dans le noir. Voilà. C'est aussi le concert de clôture de notre 110e anniversaire. Ce soir, le Royal Fazam Orchestra vous propose un spectacle inédit. En effet, vous pourrez assister à des parades, comme vous avez vu maintenant, mais aussi à des prestations statiques, agrémentées de séquences de films, dont la musique sera interprétée par nos musiciens. Il y a plusieurs fils conducteurs à ce concert. D'abord, ce sont beaucoup de musiques de films de Hans Zimmer. Hans Zimmer est un compositeur qui a fait de la musique formidable pour les films. Tous ces films et toutes ces musiques ont obtenu des Oscars. Vous pourrez assister aussi le long de ce fil conducteur. Vous allez voir surtout des films, j'allais dire de guerre, mais relatant la guerre, mais pas seulement la guerre comme on en pense. Il y a des films sur les gladiateurs, c'est une guerre aussi. Il y a un film sur la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est un peu la guerre également. Et il y a un film sur les pompiers, les soldats du feu, qui font la guerre au feu. Et c'est un hommage d'ailleurs aux soldats du feu qui, à longueur d'année, vous avez pu voir il n'y a pas longtemps, les pompiers en œuvre. Et parfois, eh bien, ils donnent leur vie pour combattre ces incendies. Et pour finir, vous allez pouvoir entendre et voir un film aussi qui retrace Pearl Harbor et également, pour finir, les marches, comme le jour le plus long, dans la rivière, etc. Pour commencer, eh bien, vous pourrez assister à un film qui s'intitule Gladiateur, vous avez déjà l'image. C'est un film d'aventure qui est sorti en 2000. C'est un succès commercial, mais il a remporté en plus 5 Oscars. Il raconte l'ascension d'un ancien général romain, Maximus Decimus, que vous voyez là-bas, laissé pour mort par un empereur qui s'appelait Commode, ouais, et qui conduit la foule par ses talents dans l'arène du Colisée. Vous allez voir des combats, et car il devient gladiateur. La bande originale de Gladiateur a été composée par Hans Zimmer, comme je vous l'ai dit, et Lisa Gérard. Elle a remporté le Golden Globe de la meilleure musique de film et a été nommée pour l'Oscar et le BAFTA Award de la meilleure musique de film. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie.
après ce dur combat, vous pourrez entendre un Conquest of Paradise, 1492. C'est Vangelis qui l'a composé en 1992. Il compose cette musique pour fêter le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Voilà, vous pouvez constater que la FASAM n'a pas que de talentueux musiciens dans ses rangs, mais qu'ils ont d'autres atouts.
J'ai tout écrit parce que sinon je serais trop long. Pour suivre bien, comme je vous le disais tout à l'heure, un hommage aux pompiers. Backdraft, dont la musique est également de Hans Zimmer, est un film à la gloire des sapeurs-pompiers et un hommage à ceux-ci qui se dévouent et sont prêts à sauver des vies au péril de la leur.
Quand je vous disais tout à l'heure que c'était un concert inédit, vous avez beau croire. C'est parce que le chef, il pousse son estrade, il pousse son pupitre. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Vous voyez, maintenant, ils se sont placés pour faire du show. Vous verrez donc deux shows. L'un, le premier, Chupacabra, et le second, Magnificent Seven. Ce sont deux shows que vous avez pu déjà regarder sur les places et parfois dans les rues que nous faisons. C'est des shows traditionnels pour nous, mais qui prennent une notation tout à fait différente puisque c'est en salle. C'est vrai que vous allez voir, vous allez dire, oh là là, ça va fort, mais comme on a l'habitude de les jouer en rue, eh bien, c'est l'habitude, ils jouent fort. Pourtant, je leur ai demandé de ne pas jouer trop fort. Voici Chupacabra et Magnificent Seven.
On arrive à un moment un peu particulier. Pour ceux d'entre vous qui avaient été à l'école en Belgique, vous savez que la Révolution belge a débuté après une représentation de la muette de Portici, quand, dans l'acte 2, La Feuillade, le ténor de l'opéra à l'époque, le ténor de l'opéra de la Monnaie à Bruxelles, a chanté le fameux « Amour sacré de la patrie ». La foule est sortie pour aller saccager le bureau bruxellois du National, c'est un journal, le journal officiel des Hollandais. Et c'était le 25 août 1830. Un mois plus tard, le 27 septembre, après beaucoup de troubles, les troupes de Guillaume d'Orange quittaient Bruxelles. La Belgique était indépendante. C'était tout juste il y a 185 ans de nous. Mais qui d'entre vous est allé un jour voir cet opéra? Personne, puisque ils n'ont plus jamais joué. Maintenant, ils vont le refaire, ils vont reprogrammer cet opéra à Paris. Ils n'avaient connu qu'un succès très relatif, à part ce fameux jour à Bruxelles. Et bien, pour cet anniversaire, je vous propose d'entendre ce fameux chant qui aurait pu être, à un certain moment, c'était une idée, notre hymne national. Alors, vous n'aurez pas La Feuillade comme ténor, puisqu'il est mort depuis longtemps, mais vous aurez trois ténors du Fasan Orchestra avec les chœurs et les musiciens qui vont remplacer l'Orchestre Philharmonique du Théâtre de la Monnaie. Voilà. Pour un escalier de tes cœurs dangereux.
Voilà, revenons au morceau statique, morceau de concert. Vous allez pouvoir regarder, du moins un petit extrait forcément, ça dure 3-4 minutes, un film d'animation. Ça s'appelle Spirit. Spirit, c'est un étalon qui raconte son histoire dans ce film. C'est des chevaux sauvages de l'Ouest américain. Il se fait capturer, emmené dans un fort au beau milieu du désert par des hommes en charge de trouver des chevaux pour l'armée. Il mène la vie dure aux hommes du colonel. C'est d'ailleurs cet épisode que vous allez voir en film. Et durant cette période, il y a un petit indien qui s'appelle Lakota, petit nuage, ça veut dire en français, est capturé aussi et il subit le même sort que Spirit, il est enfermé dans le fort. Le colonel décide de dompter Spirit, mais la force de caractère de ce dernier est immense et il parvient à se défaire de ses liens, de son cavalier, et Petit Nuage s'empare de Spirit qui défonce les portes de l'écurie et libère en même temps tous les chevaux capturés qui s'échappent alors du fort et retrouvent la liberté. Mais le film s'arrête là, vous n'allez pas voir plus loin, c'est dommage, parce que c'est très joli comme film. La musique est de Hans Zimmer. Je tiens à vous le dire quand même. Vous vous demandez pourquoi certainement j'ai mon pupitre si haut. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question, certains. Surtout les musiciens. Bien, c'est tout simplement que je dois surveiller en même temps l'image pour pouvoir être synchronisé avec la musique. Alors si elle est trop basse, je ne vois pas l'image, voilà, tout simplement. C'est pas parce que ma vue baisse. Thank you.
le réalisateur, pardon, Michael Bay, a fait appel, encore une fois, à Hans Zimmer pour réaliser la musique du film The Rock. C'est aussi une grande réussite. La musique colle parfaitement à l'ambiance de toutes les scènes d'action et gagne en intensité. C'est véritablement avec Rock que la renommée de Zimmer a franchi les